Ok, ça nous pas pris en pause là, et sa transition. On va aller dans la République dominicaine, et côté, et semaine dernière, tu as gagné un porte-parole gouvernement qui t'a annoncé après une réunion conseil de sécurité nationale là, que on va déporter 10 000 Haïtiens par semaine. Et ben, pour nous regarder comment compatriotes nous a vivre la situation ça, et en République dominicaine, depuis les adopté mesure là. On nous parlait avec le professeur Alain Cadet, professeur d'université. Professeur, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Monsieur Robinson. Bonjour tout le monde qui branché Magic 9. Son plaisir matin pour nous venir parler ensemble pour nous dire comment ça y est en République dominicaine. Bonjour, merci de répondre avec les questions. Il y a plusieurs aspects que nous allons regarder dans la mesure là. Et qui ça qui motive lui, et qui conséquence que le capable gagner sous haïtien qui a vivre en République dominicaine et qui porte politique et tout et puis qui façon que autorité en Haïti et ramasser et dossier ça. Mais d'abord je dis à lundi 7 octobre et nous connaît ou gagner en pile connexion notamment avec étudiants haïtiens en République dominicaine. Depuis le premier mesure ça jusqu'à un moment on a parlé à la comment communauté haïtienne nan, li a vivre dans la République dominicaine et notamment ce so qu'on est au professeur Alain Cadet. D'accord. Merci, Robinson. Je profite de remercier tout parce que sans aide ou avec Andy, le nouveau liste et sous dossier passeport que m'était lancé l'année passée et côté de fond coup campagne pour mieux être capable de jeune passeport, eh bien, dossier ça va capable d'arriver trop loin et avec intervention et nous avons une réaction rapide vite de ministre Affaires étrangères qui était dans l'époque là. Nouvelle là tombée en tant qu'on glochon, c'est l'huile qui tombait sous du feu parce que situation elle pas déjà n'était bon, n'a pas rappelé tout le monde qui branchait ou surtout qui parle en République dominicaine depuis que président Abinader lui-même n'est monté sous pouvoir. Et situation vraiment dure pour Haïti, mais avec nouvelle ça plus compliqué parce que yo vinn augmenter à partir de 10 000 qui et écoutez ça t'a demandé au moins par jour pour t'a ramasser près de 1 500 Haïtiens à 1 700 Haïtiens. Et puis tout le monde déjà connaît, qui a vu en République dominicaine, connaît dans quelles conditions que par ramasser moun sa yo. Et en pile moun sous peur, en pile moun sous choc, et bien en pile moun qui était déjà arrêté la caillou, qui pat trop comme sorti, qui pour éviter déportation, parce que pour une raison pour l'autre, il y a ton Captain Biden, appelé, et maintenant on a dit rien parler. Il y a d'autres moun tout qui là, c'est parce que pas de jeune passeport à temps qui fait pas de guette renouveler résidence ou bien renouveler permis de travail. Yo. Et bien. En plus, nous, là, en République dominicaine, pour des conditions, différentes. Ça veut dire, André Cap dit, il y a plusieurs statuts ici, là, et des Haïtiens qui, ici, là, en République dominicaine, des années ou qui, enfin, à peine arrivé, mais tout le monde, ça, yo, t'as censé tomber dans le même panier et voir, pour des Dominicains d'origine haïtienne, puisque tout est, agent immigration, yo attaqué directement moun ki noir, yo. Et puis, en pile la moun sa yo te malheureusement perdu nationalité depuis 2013. Et moun sa yo tout, yo ne qu'est sauté dans la rue, ya, parce qu'à n'importe moment, immigration capable de prendre yo et puis déporter yo dans des conditions qui pas répondre avec moun ite yo et puis retourner en Haïti. Il y a nous parler, nous parler. Alors, hier, nous parlons avec plusieurs gens qui sont en République dominicaine qui décrivent une situation de panique et de grandes inquiétudes et pour les compatriotes qui ont vécu l'autre bord. À titre de comparaison, je dis par exemple, les Américains, côté la capitale, là, côté une grande communauté haïtienne, côté des pouvoirs dans les Américains, là où est haïtien, mais hier, il était difficile pour te joindre un haïtien dans la zone, tout le monde obligé de rester la caillou. Qui, Jean, où est mesure, ça a commencé appliqué. Est-ce que on chasse à migrants haïtiens et haïtiens en République dominicaine après annonce que Abinader te fait? Oui, rapide vite dès demain il y aura décision hein? Et il y a des chiffres qui commencent bas. Il y a pour premier à Yogetan, dans le premier jour, il y a ramassé près de 1 600 haïtiens et vendredi aux environs de midi il y a Yogetan, parce que chasse à Yogetan là déjà. Le fait que augmenter est une situation extrêmement grave. Pour qui ça?
Parce que là où prend un monde ou déporter lui qui quitte petit l'école qui était deux ou bien trois petites et derrière couler là là où attaquer directement protection ti moun qui c'est des conventions que République dominicaine et un pile pays pour paradis tout pays dans le monde que aussi que ti moun supposé protéger et puis là encore tout mais si moun li gen deux trois battants crâne l'état bien bon pour ta marer le nous soudre pour retourner ensemble avec les haïtiens ou bien ta capable vendre parce que nous gain une population haïtienne communauté qui diverse gain des monde là qui gain grand bien qui gain édifice appartement etc machine moto que ta capable vendre bien yo et puis entrer dans pays avec l'argent ça ou bien entrer avec matériel ça ou bien ça en Haïti et ta capable faire bien en pile parce que c'est des années de faux que monde ça a fait. Et moi-même, je senti l'état plus bon pour la République dominicaine d'arriver à ce bagage-là. Avec un départ volontaire, côté haïtien, tu as gagné même 6 mois ou bien 1 an. Et déjà, le président Balaguer, Joaquim Balaguer, était fait le 13 juin 1991 à partir de un décret que l'été signé, qui c'est décret 233-91, côté il te permet de ne pas que haïtien retourne en Haïti. Et je pense que si tu as une volonté vraiment vraie, pour rapatrier haïtien, il faut que ça fait la dignité, la respecter droit tout le monde, et puis gouvernement avec et coordination de gouvernement haïtien qui paraît un peu flou dans le dossier. Oui, c'est dans 23 aspects. Nous sommes déjà, il y a plusieurs mois, vous me dire l'année passée, et l'autorité dominicaine était déjà des bagages humains qui ont été faits, déportés alors que dans cette santé de l'hôpital, déportés femmes qui sont enceintes, nous avons des femmes qui mourent, en femmes enceintes qui mourent dans la situation. Ça. Maintenant, avec Jérôme, plus amplifier la situation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'école, ce n'est pas le travail, et ce n'est pas l'accès avec la santé. Si vous comprenez, Haïti, ça, là, c'est qu'il y a un monde qui est dans la prison, et il y a été la caillou. On va pas même dire quoi, c'est en prison même. Parce que si on allait dans le cadre qui ont été en pile lâche, frontière fermée depuis en septembre et 2023. Ça veut dire que là, même il y a un monde qui est légal, ou t'as dit à l'Haïti, et vous dites qu'on va tourner, si on va faire le feu pour passer, on va voler tête frontière, la police, autorité, il va bien et tout. Parce qu'on va violer l'espace là. Ça veut dire que si, oui, et Haïti là, il y a une prison. Et sans compter moun ki li même qui pas gagné statut etc parce que en quelque sorte gouvernement dominicain li même li rend ça gouvernement dominicain li pas vann passeport haïtien et gagné mais instruction qui passé au niveau de la diplomatie dominicaine puis pas vann haïtien visa même qui dans l'autre pays qui pas en Haïti. Ah voilà, faut faire attention avec ça. Et puis gagné retard qui te gagné retard énorme dans renouvellement de résidence, dans renouvellement de permis de travail et statut de réfugié li vraiment pas accordé avec un pile monde. Là tout gouvernement ici empêché. Li demandé de réviser, moi te réviser près de 600 fiches de passeport. Ça veut dire que tout monde ça yo, yo nos conditions côté yo obligé rester dans la caillou et pas qu'à ceci. Mais c'est prison. C'est terrible. Maintenant, comment groupe de pression, parce que nous n'est pas grand pile, mais quand nous avons quelques groupes de pression en République dominicaine, et qu'on a fait des interventions sur ça, et la presse en République dominicaine, comment vous gérez aussi ça? Bon, et là, il est très difficile, parce que même nous qui dès qu'on a fait des pressions, surtout qui est haïtien, ils ont vu tomber dans l'irrégularité, tout, majorité, pas gagné un statut légal dans le pays, qui vient faire que des fois, ils n'ont pas capable de prendre des prises de position, et qui ont pris tout qui laisse la République dominicaine pour aller dans le pays, et puis, bon côté dominicain, qui défendre cause haïtienne, non, c'est un pile pression sur eux-mêmes. Et il y a un pile là-dedans, tout qui décide pas parler de cause haïtienne encore. Et puis, il y a un pile tout qui frustré parce que, ouais, Jean, gouvernement haïtien, traité de CIA, surtout avec la représentation de la diplomatie haïtienne en République dominicaine, qui vraiment, presque, on est capable de dire, qui presque pas existé. Vous comprenez? C'est tout ça, il est démotivé. Des organisations, des personnalités, puis être capable de prendre défense communautaire, pression
li faible pour me pas même dire li inexistante. On va le faire on y a là. Le prend nous comme ça parce que moi j'ai des vidéos qui a circulé sur toi là. Comment de dire est-ce que c'est est-ce que vrai et m'a pas douter de eux et naturellement et comme quoi on prend compatriotes nous yo yo regrouper toutes nos salles et pile sous pile pour discuter total. Et c'est comme ça les déportés ont fait les salles qui tu passes pour cet temps là avec ça puis on mettait dans camion puis sur frontière et pour ça c'est ça. Oui, le processus, c'est exactement ça, mais qui, en tout cas, c'est plus mal du jour. Parce que, camion qui ramasse, Mounio dans la rue, à travers du contrôle migratoire, là, il n'est pas apté avec ça. C'est un camion, qui est seulement soudé, tôle sous lit, qui campait dans mi-temps la rue, dans plein soleil, parce qu'il y a un bon nombre de monde qui ramasse. Nous sommes capables de comprendre ça. Dans la logistique, il n'est pas le déplacer avec deux, trois, deux monde seulement, pour la mettre dans la base, pour le retourner dans la rue. Mais au moins, il est capable de mettre le camion en un côté qui est l'ouvrage. Au moins, tout est capable, t'es qu'on vient bus longtemps, sous gouvernement d'Aniloa, des bus en junior, il est capable d'utiliser bus ça. Et puis, moun ça, depuis le bus là, il y a plus de monde qui est disposé, mais il y a des monde qui mourent dans le bus là. C'est des bagailles qui peut-être pas intéressé là encore, c'est à le gouvernement haïtien, cette diplomatie et, haïtienne en République dominicaine, qui pas intéressé avec des bagailles qui pourraient avec la communauté. C'est très malheureux. Et les ovnis dans cette détention, t'as supposé qu'il y a une dépuration faite pour réviser est-ce que Moussa lit sous système, non? Est-ce que c'est un document qui n'emmène là, c'est pas perdu, il est perdu, ou bien c'est faux, etc. Si Moussa lit à légal pour retourner la Kaili. Eh bien, Moussa, il a passé 2-3 jours dans cette salle. Et il y a un pile d'autres bagailles qui parlait. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils prennent un document, ils jettent, et ils ne pas jouer. Soumettre le monde de côté pendant 2 à 3 jours, même pendant un jour, il faut qu'il y ait un petit lot, il faut qu'il y ait un petit quichon pour manger. Mais pas de ça. Et puis, vous prenez le monde ça, après, pour mettre le dans le bus, et, ou bien dans le même camion, ça, une sur l'autre, pour entrer sous frontière, pour venir laguer, laisser pour côté sous frontière, donc une bonne cabrite qui pas de mettre. Et puis, c'est un capable de tout, il garantit le voyage sans retour, puis aller dans l'éternité. Parce que si on pas jeune manger, pas jeune de l'eau, et puis on passe toutes conditions, ça, il y a des gens qui doivent des conditions de santé. Mais tout ça, on a supposé prendre en considération. Mais malheureusement, c'est pas comme ça le fait. Et c'est son bagage qui quittait, pas de monité dans ça. Et pas de monité dans ça du tout. C'est vraiment dégradant. Et là, et parce que le gouvernement haïtien a supposé ressaisir. Il faut qu'on dise tout que hier soir, moi j'ai eu chance dans une réunion avec plus de 80 haïtiens qui majorité en République dominicaine, nous t'ai parlé ensemble et m'a prêté exactement ça une collègue elle t'a dit, elle disait que lui vraiment saisi pour le monsieur Smith Augustin qui était en République dominicaine qui étudiait en République dominicaine qui après était venu vivre au niveau de ambassadeur et puis lui fait partie du conseil là, c'est sûr que venu vivre dans le conseil présidentiel, c'est pas seulement dossier République dominicaine, lui t'a pas le priorisé. Mais comme ils sont connaisseurs de la situation, ils pensaient qu'ils ont pris les positions et ils pensaient qu'ils étaient capables d'aider le gouvernement, aider le présidentiel là, à apporter une solution avec la situation. Mais malheureusement, et c'est pas ça qui fait. Et bien sûr, il y a d'autres monde qui gagnent, qu'on a d'autres commentaires qui comptent, qui disent bon, c'est trop tard et nous ne pouvons pas entrer dans la politique qu'a fait en Haïti. Peut-être tout le monde capable de comprendre pour quelle raison tout le monde c'est trop tard et c'est très malheureux. Bon, une situation terrible pour mon patriote Nouyo, qui a vu votre bois. Je parlais avec plusieurs qui ont vu votre bois. Je vais raconter une histoire. C'est là qui est capable de boule dans le jour. Et pour Jean, situation critique Nouyo. Merci beaucoup, professeur, pour les miens. Avant, monsieur, allez. Et il y a quelqu'un qui dit que ça va passer. Et la décision de Binadel, là, il y a des motivations politiques. Parce que Luis Abinadel t'a voulu mener la constitution hein, et pour l'élection 2028, yo, et il t'a voulu faire dossier migrants haïtiens tourner aux outils politiques. Et où une compréhension par rapport à ça? Ah oh oui, bien sûr. Hier matin, j'ai eu une réflexion et qui t'est partagée. C'est après la suite de réflexion ça qui a été fait en boum, un peu de monde qui a réagi, qui poussait la réunion ça fait hier soir. Et mon pape lit réflexion complètement, même pas exactement la partie que mentionné là. Actuellement, la Haïti dominicaine était dans un moment côté majorité, côté dans le pays, surtout dans la capitale, la Tégué pour 24-24. À travers des défaillances qui gagnent, ou des problèmes qui gagnent sur le réseau, il y a un peu de blackout, il y a un peu de plein pour ça.
et gen réforme constitution, gen réforme fiscale qui nan route, gen campagne présidentielle 2028 là qui commence déjà dans l'année passée. Pendant qu'il était en campagne pour élection. Et pour qui ça me mentionne campagne là, et puis gagner parti de ça qui voulait faire un peu dans ce pouvoir, c'est parce qu'il utilisait stratégie, il mettait attention sur nous-mêmes, et c'est une stratégie qui fonctionnait. Si nous regardons depuis lors que M. Claude Joseph, bon, pas mal entré dans la politique Haïti, mais m'a mentionné M. Claude Joseph parce que était un échange avec M. Abinader, eh bien, nous avons constaté, même Jean Kouta, et Claude Joseph t'est monté, la popularité t'est montée, et bien c'est même genre tout, popularité Abinader commençait à monter depuis le moment ça. Et lui profiter, continuer de stratégie politique ça, pour augmenter Koutali, jusqu'à ce que lui arrive à un certain niveau de popularité qui étonne un peu le monde. Lui capable toujours d'utiliser bon. L'autre bagaille, toujours. Pour regarder, si le président déjà, c'est pas celui qui a une grande popularité. Si vous permettez, moi, tourner rapidement dans l'élection qui était. C'est une élection serrée, côté l'été gagné seulement avec un pourcentage, un écart qui pas trop à l'ESA, et l'ESA c'était Gonzalo qui était en face lui. Mais elle commençait à utiliser stratégie, hein. Bien sûr, dans les sondages, eh bien, et popularité lui augmentait. Donc c'est le moment bien. Et est-ce que Sabine Adel voulait faire une réforme constitutionnelle pour le cas candidat dans la prochaine élection pour le troisième mandat? Ça pas mentionné jusqu'à maintenant. Okay. Mais déjà, j'aime du là, exemple, campagne 2020 a déjà commencé. Déjà, il y a des noms qui ont cité et parti en très actif. Il est en focus déjà sur l'élection 2028. Pour ce cas, merci un peu lui d'être disponible pour le matin. C'est moi qui pourrais remercier nous pour l'opportunité ça que nous t'aimons moins pour moi parler de ça. Merci beaucoup. C'est un boycottage de situation et sans indexer ces pièces nous, de façon de saluer tout le monde qui branchait, tout le monde qui en a ici, spécialement nous qui Carrefour, côté M. Soti, qui malheureusement a vécu des jours noirs, et tout le monde qui est en République dominicaine, capable de dire qu'il est là, et il faut nous résister pour nous, comment nous sommes capables de soutenir ça, et moi saluer spécialement et un groupe de Pause et Liberté, c'est un groupe littéraire, côté moi, je fais partie là-dedans, et tout le monde s'est branché et a suivi la situation qui a passé là, ici dans la République dominicaine. Merci le Nouvelis, merci Radio Magique. Merci beaucoup, professeur.